Vinitech, c'est la grand-messe chaque année de l'innovation vitivinicole qui permet de découvrir les dernières technologies en la matière. Mais cette année, avec le contexte sanitaire, l'événement n'a pas pu se tenir dans sa forme traditionnelle. Il va donc avoir lieu dans une forme virtuelle avec des exposants et des visiteurs, le tout sur Internet. Je vous propose dans cette émission de découvrir en vrai, pour le coup, ceux qui ont gagné un prix de l'innovation. On va essayer de comprendre donc à travers ces différentes technologies qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui pour améliorer donc la pratique viticole mais aussi ce qui se passe dans les chais. Dans cette émission, première émission, donc on reste dans les vignes et on va découvrir ces innovations avec par exemple donc des nouvelles machines qui permettent de mieux traiter dans les vignes mais également de laver le raisin à l'arrivée dans les chais. On va également comprendre comment visiter ce salon virtuel. C'est parti pour cette émission spéciale vigne. Alors Delphine, ça a été un vrai crève-cœur, Vinitech en mode virtuel. Alors, ça a été effectivement un vrai crève-cœur de devoir arrêter et de devoir prendre la décision d'annuler l'édition physique de Vinitech 2020. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est un événement qui est extrêmement attendu, c'est une grande fête de la filière, on va dire. Et nos exposants étaient évidemment dans une incertitude difficile à tenir. À la fois c'est un rendez-vous commercial important pour eux et à la fois c'est vrai que l'incertitude de la crise actuelle nous plonge tous dans des difficultés particulières. Mais également nos visiteurs qui nous ont tous finalement qui ont tous attendu cet événement avec impatience, qui nous assuraient de leur soutien et de leur besoin de venir, mais l'incertitude générale nous a contraints à prendre cette décision d'annuler l'édition physique. Néanmoins, il était pour nous inconcevable de ne pas avoir d'événement en 2020 pour la filière. Pourquoi ? Parce qu'on se positionne vraiment sur cette création de rencontres. C'est vraiment notre job, notre boulot. On ne pouvait pas ne pas proposer à la filière au moins une solution, ou en tout cas à une partie des acteurs de la filière, une solution de rencontre, de mise en relation avant la fin de l'année et leur dire rendez-vous en 2022, c'est dans 2 ans et c'est trop lointain. Voilà, donc il était un petit peu de notre devoir finalement de faire en sorte que de proposer en fait un événement pour cette mise en relation des professionnels de la filière. Alors faire un événement virtuel, qu'est-ce que ça veut dire en termes de techno ? J'imagine que ce n'est pas ce que vous êtes habitué à faire justement. Alors on n'a jamais, effectivement, on avait déjà commencé à faire une transition digitale, on va dire, sur nos événements. Maintenant évidemment celle-ci a été quand même plus précipitée et on n'avait jusqu'à présent pas réalisé d'événements 100% virtuels. Donc effectivement, c'est une première pour nous, Congrès Exposition de Bordeaux. Maintenant, ça veut dire monter un projet informatique en 2 mois et demi, au lieu de 6 ou 7 habituellement. Donc ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup d'implications, une grande confiance dans nos partenaires et nos équipes. Et aujourd'hui, voilà, on arrive au bout et on est plutôt très satisfaits de là où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, on va justement visiter ce salon virtuel ensemble. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs choses. Il y a des choses en direct, il y a des choses qui sont sous forme de stand que l'on visite. Il faut arriver à bien comprendre tout ça. Absolument. Donc, vous avez en fait la plateforme Vinitech Sifel Virtual qui propose plusieurs fonctionnalités. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous arrivez en fait comme si vous arriviez sur l'édition physique avec vos différents secteurs, technique culturelle, équipement de cave et chais, embouteillage et conditionnement et les services. Si vous cliquez sur un de ces pôles d'exposition, vous arrivez sur la liste des exposants qui participent à ce pôle. D'accord ? Vous avez la liste des exposants. Et c'est juste une liste ou quand on clique sur les exposants, on a accès à d'autres informations ? On va faire l'essai. Quand vous cliquez sur voir plus sur l'exposant, vous entrez sur le pavillon de l'exposant. D'accord. Vous voyez son nom, sa description, la possibilité de lui demander contact. En dessous, vous avez le catalogue des produits qu'il propose. Sur chaque produit, vous pouvez cliquer, soit rentrer pour avoir une description plus précise du produit. Et si l'exposant a proposé de mettre une documentation, vous pouvez la télécharger.
Donc je reviens en arrière. Vous avez donc toujours sur le pavillon de l'exposant le catalogue produit. Alors, et éventuellement une vidéo qu'il aurait proposée pour argumenter sur sa société ou son produit. Donc ça, ce sont en quelque sorte les stands des différents Exactement. Exposants. Mais dans un salon, il y a aussi toujours de l'événementiel, des conférences, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver également en virtuel ? Absolument. Une des richesses de Vinitech Sifel, c'est effectivement la richesse du programme de conférences. Aujourd'hui, nous avons maintenu la même programmation que nous aurions eue dans l'édition physique. Nous l'avons transférée sur la partie virtuelle. Donc, vous avez ici un auditorium, l'auditorium dans lequel vous allez retrouver le programme des conférences. Vous avez plus d'une cinquantaine de conférences avec plus de 120 intervenants pendant les 3 jours. D'accord. Le problème de ne pas avoir un salon physique, c'est le networking. C'est tous ces petits moments informels, parfois où on rencontre d'autres exposants ou des projets secrets qui sont transversaux. Est-ce que ça, on arrive à en faire quelque chose en virtuel ? Absolument. Le virtuel nous aide beaucoup sur cette fonctionnalité-là. Il est même très précis. Pourquoi ? Parce que c'était justement c'est la troisième fonctionnalité de notre site qui permet de mettre en relation des exposants et des visiteurs. Donc, dans le pavillon des exposants, vous avez peut-être pu voir, je retourne dans un exposant au hasard, vous avez pu voir que l'équipe commerciale ou l'équipe de la société est disponible et a créé ses propres profils. Vous pouvez leur envoyer votre carte de visite ou leur demander un rendez-vous one-to-one pour prendre rendez-vous avec eux. D'un autre côté, une entreprise qui souhaite rencontrer des visiteurs a créé son profil pour accéder à la plateforme, va dans l'onglet networking et sélectionne, soit par mot-clé, soit par thématique d'affinité, les entreprises qu'elle souhaite rencontrer. Est-ce que vous allez avoir une idée de l'impact économique du salon ? Est-ce que vous allez pouvoir suivre, voir s'il se passe autant de flux d'échanges, d'achats que d'habitude ? Comment est-ce que vous allez pouvoir savoir ça ? Alors, une plateforme virtuelle donne de très nombreux indicateurs et même beaucoup plus nombreux qu'un événement physique. Sur un événement physique, les indicateurs sont souvent le volume de personnes qui ont été présentes sur le salon en exposant, en visiteurs. Mais on ne sait pas vraiment qui a transformé ? Exactement. Sur une plateforme virtuelle, on ne saura pas non plus forcément qui a vendu, parce qu'il y a une notion de confidentialité pour les entreprises dans les échanges. Par contre, on va savoir précisément, l'entreprise saura précisément qui est venu sur son événement, qui a pris contact. Elle aura un accès facilité aux coordonnées, en fonction de l'accord évidemment donné par les participants. Et on saura beaucoup mieux mesurer en fait le nombre d'interactions qui ont eu lieu pendant cet événement-là. En termes de modèle économique, vous dites ça c'est une solution palliative. Il ne faudrait pas que ça dure comme ça. Est-ce que vous avez un équilibre économique qui peut aller avec un modèle de salon virtuel de manière durable ? Alors, sur ce modèle, on est encore balbutiant, on va dire. On pense qu'il existe un vrai business model derrière ces solutions-là. Maintenant, on aborde le digital plutôt comme un complément de service, en complément de l'événement physique. En tout cas, une chose que vous avez gardée, ce sont les prix de l'innovation pour les entreprises. Et c'est ce qu'on va voir en réel, très concrètement, avec un certain nombre d'entreprises dans cette émission. Alors Christophe, ça c'est votre nouveau bébé. Tout à fait. Une machine qui lave le raisin. Pourquoi est-ce que c'est une innovation ? On ne lave pas le raisin aujourd'hui ? Oui, justement, c'est d'ailleurs un des seuls fruits qu'on ne lave pas, ce qui est assez étonnant. Et en fait, on a développé cette machine à la demande de viticulteurs, parce que par rapport à tous les produits qui sont utilisés, même dans l'agriculture biologique, on utilise des produits de traitement qui sont naturels, mais qui n'ont rien à faire dans une vinification. Donc l'intérêt du lavage, c'est de pouvoir se débarrasser de tout ce qui n'a rien à faire dans une vinification.
que ce soit donc des produits éventuels de traitement ou alors de la poussière ou des insectes, des petits débris. Donc le lavage semblait évident. Semblait évident, mais n'avait jamais été fait. Tout pourquoi à fait. Il y avait des écueils techniques, il fallait pouvoir sécher après pour ne pas fait. Amener de tout l'eau dans la cuve directement. Tout à fait, le laver c'est facile, mais effectivement, ce qui est très important, c'est le séchage. Il faut un séchage vraiment parfait pour éviter qu'il y ait une dilution et après une réduction alcoolique. Et en plus, pour laver, il faut consommer de l'eau. Et c'est un peu à l'inverse de ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc la particularité de cette machine, c'est qu'on retraite l'eau en continu. C'est la même eau qui est recyclée en permanence et on a une consommation qui est très, très faible. Et donc ce traitement permet d'éliminer toutes les impuretés et de laver vraiment avec une eau parfaitement claire. Alors, est-ce qu'on peut détailler les différentes étapes? Donc le raisin arrive, il est aspergé, c'est ça? Alors tout à fait, donc le raisin arrive sur la machine, donc d'un système de tri ou pas. Donc ça peut être des grappes ou alors des raisins éraflés. Et on passe sur un tapis et il y a des buses qui pulvérisent de l'eau en gros débit et basse pression pour avoir un lavage efficace. Et après, on a toute une partie, donc le raisin est acheminé sur un convoyeur, on a toute une partie d'égouttage, et après, on a des rampes de séchage très puissantes pour vraiment être certain de sécher parfaitement. Donc on sort en bout de machine et on envoie vers la cuve. Et après, cette eau de lavage est récupérée dans tout un système de bacs, et après un système de compartiments avec des éléments filtrants. On a des éléments, des dégrilleurs, des grilles inox très fines. Et après, on a des charbons actifs, on a de l'ozone, on a tout un tas de modules qui vont permettre de filtrer l'eau de lavage. Ouais. D'accord. Ouais. Et après, du coup, il y a ce séchage qui permet de ne pas apporter trop d'eau. Tout à fait. Ça nécessitait une technologie particulière. Alors, des turbines et des rampes, en fait. C'est des grosses turbines qui pulsent de l'air. Vraiment un petit peu comme les sèche-mains Dyson qu'on a dans les stations-service. Donc c'est vraiment une rampe d'air. C'est vraiment une rampe d'air très très puissante et très efficace. Ouais. D'accord. Et qui ne dégrade pas la baie pour qu'elle reste entière. Donc cette machine, vous la fabriquez entièrement ici. Tout à fait. Imaginez, de zéro, les pièces métalliques, etc. Tout à fait. On est un atelier de chaudronnerie. On est déjà fabricant d'autres machines et tout est effectivement fabriqué, développé chez nous. Et à la demande et avec l'aide de viticulteurs de la région, puisque ça fait 3 ans aujourd'hui que la machine est en essai, on avait besoin de valider et de perfectionner ce process. Donc aujourd'hui, on a une machine qui est très efficace et avec de très bons résultats d'analyse. Ouais. Combien ça coûte un petit bébé comme ça? Alors une machine, ce modèle précisément, on est sur une machine à 40 000 euros. On va avoir en fait, c'est le débit de la machine qui va bien sûr déterminer son prix, mais là on est sur des machines qui tournent à 5 tonnes heure. D'accord, après, donc là on est vraiment dans le sas en quelque sorte entre ce qui va se passer dans le chai et ce qui s'est passé dans la vigne. Là on est vraiment, c'est le dernier élément. On est en train de rentrer dans le chai, on n'y est pas encore complètement. Justement c'est aussi un peu ça votre savoir-faire. Les autres machines que vous faites sont aussi des machines qui se situent entre la vigne et tout le chai. Tout à fait. C'est vraiment des machines qui vont traiter le raisin, on va dire, avant d'arriver en cuve. Que ce soit pour par des effets thermiques ou de lavage. Vous avez combien de salariés ici? Alors, j'ai 8 salariés à la fabrication. Et après, on a également des partenaires, des petits sous-traitants locaux, de toute façon. Mais ce sont des entreprises de chaudronnerie ou d'automatisme qui viennent nous aider. Parce que bon, le vinicole, c'est quand même des activités saisonnières où on a des pics d'activité et il faut faire face à ces pics. Alors les faire, ok. Les vendre, est-ce que c'est plus compliqué? Là, Vinitech, cette année, pas en réel, plutôt en virtuel. Est-ce que ça, c'est chouette que ça ait pu se maintenir comme ça? Est-ce que vous allez présenter, animer votre stand virtuel? Ah oui, tout à fait. C'est indispensable, Vinitech. Et pour nous, est très important habituellement pour la vente de machines, puisque bon, on a une clientèle internationale. Donc, s'ils ne viennent pas nous voir, ils ne vont pas nous connaître, ils ne vont pas voir nos nouvelles machines. Donc, pour communiquer, c'est vraiment un outil indispensable et on compte beaucoup sur Vinitech virtuel. Oui, c'est très, très important pour nous. Oui. C'est même primordial. Et est-ce que vous savez déjà comment ça va se passer sur ce stand? Est-ce que vous avez déjà commencé à regarder les outils? Est-ce que vous avez déjà fait des salons virtuels ou est-ce que ça va être une grande première? Ça va être le premier salon virtuel, effectivement. Donc, bon, on a regardé un petit peu comment ça se passe, mais bon, ça va être une nouveauté, effectivement, pour nous. Oui.
Bon, mais on n'a aucun doute, ça va bien se passer. Donc là, voilà. Donc là, on est dans votre espace exposant. Je vois que vous avez déjà saisi votre équipe. Donc là, tout le monde est au complet. C'est plutôt... vous utilisez en fait toutes les fonctionnalités, donc la vidéo, les photos. Vous avez présenté votre produit qui est primé au trophée, je crois. Ah oui, bien sûr. Ok, ben là comme ça vos clients pourront vraiment voir en direct votre travail. On va parler maintenant innovation dans les vignes. On est ici à Saint-Félix-de-Fontcode chez un de vos clients. Votre innovation, elle est ici. D-Motion fait quoi exactement? C'est quoi ce qu'on entreaperçoit ici? Ici, vous entreapercevez une technologie qu'on appelle SMAC, qui vient d'être primée au salon Vinitech et qui consiste à rajouter sur les pulvérisateurs, qu'ils soient assez simples comme celui-là ou plus compliqués comme les enjambeurs, des capteurs pour scanner le rang de vigne et des électrovannes un peu spéciales qu'on met derrière les buses ou les paires de buses et qui vont couper en fait le nuage de pulvérisation en l'absence de feuilles. Donc pas de feuilles, pas de traitement. Donc là, on parle pulvérisation, de traitement. Quel type de traitement? Bio, non bio? Ici, l'exploitation est en conventionnel, HVE, et en projet de conversion, mais pas encore en conversion bio. Et les traitements, c'est des traitements assez classiques pour protéger la vigne des anti-mildiou, des anti-oïdium, et avec des produits relativement classiques que sont le cuivre et le soufre. Alors, justement, votre idée, c'est d'essayer de réduire un peu ces intrants pour des questions environnementales, pour des questions financières. Pourquoi est-ce qu'on cherche à réduire ça? Notre ADN chez D-Motion est effectivement l'environnement. Après, le côté finance est aussi important. Le coût par hectare des traitements en vigne peut varier de 500 à 800 euros l'hectare. Ce n'est pas tout à fait neutre comme ici sur une exploitation de 60 hectares. Combien on peut économiser en ayant une approche justement avec des capteurs qui sont capables de dire où c'est nécessaire de pulvériser? Alors, nos clients nous ont remonté l'information, que ce soit en champagne ici ou à cognac, d'économie de l'ordre de 25-30% de bouillie en moins. Et quand on dit 25-30% de bouillie en moins, c'est aussi 25-30% de dérive en moins, puisque le deuxième enjeu de la pulvérisation, c'est la réduction de la dose bien sûr, mais aussi la réduction de la dérive. Voilà, quand on ne pulvérise pas parce que j'ai un trou, eh bien, je réduis considérablement la dérive. Donc, concrètement, comment ça marche? Là, un capteur, ça veut dire qu'il sait s'il y a beaucoup de feuilles, il capte quoi exactement? Il va capter l'objet, ça peut être une feuille, ça peut être une grappe. Effectivement, via une électronique, on va gérer en temps réel la porosité de la vigne. Et la porosité de la vigne, elle est grande, il y a des manquants, donc des trous dans la vigne, il y a des complants, donc le jeune plant qu'on a replanté entre deux vignes, qui est différent de ses voisins. Il envoie un signal et si jamais ça revient, c'est qu'il y a des feuilles, donc c'est bon. Si jamais ça ne revient pas, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, donc on arrête tout. Le boîtier dit stop à... qu'est-ce qui se cache là-dessous? Des électrovannes un peu spéciales et qui dialoguent avec d'autres électrovannes pour maintenir une pression identique, quelle que soit la porosité de la vigne. Est-ce que vous voulez regarder? Allez, oui. C'est pas bien compliqué, c'est juste pour protéger. Je pense qu'il y a une vanne qui est là. Et ici, il y en a quatre vannes identiques le long de cette colonne-là pour gérer le métier. Voilà. Ce sont des vannes qui sont très rapides, de l'ordre de 20 millisecondes, pour gérer, couper un trou à 10 km/h, un trou de 10 cm à 10 km/h, le système est capable de le faire. Alors, ça paraît tout simple comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Je crois qu'il y a eu des essais avec des capteurs optiques qui sont peut-être plus intelligents, qui peuvent faire plus de choses, mais peut-être plus sensibles aux nuages de bouillie. Là, les capteurs sont assez robustes, assez simples. Et pourquoi on ne l'a pas fait? En fait, on le fait déjà en grande culture, de façon horizontale. Là, on s'est inspiré. Nous, chez D-Motion, on s'inspire beaucoup de la grande culture. Et là, aujourd'hui, on le fait de façon verticale. D'accord. Et donc, pour un viticulteur, on a parlé de l'économie, on a parlé des efforts environnementaux. Est-ce que c'est quand même un surcoût d'installer ça? Comment est-ce que ça se passe concrètement sur les économies d'échelle? Le surcoût pour une machine comme celle-ci est de l'ordre d'un peu moins de 6 000 euros.
qui est au bout de 2 saisons remboursé, hein, rien que sur les économies de produits. Alors là, je vous empêche hein, d'aller pulvériser tout de suite, hein, mais ce n'est pas tout à fait la saison. Mmh. mais c'est gentil de nous faire la démo et nous accueillir ici. Donc vous, qu'est-ce que ça vous change concrètement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de tester cette nouvelle technologie? Alors ce qui nous a donné envie de tester, c'est que, comme disait Xavier, c'est de ne pas traiter où il n'y a pas de feuilles, pas de végétation. Voilà, ça c'est le primordial, de ne pas traiter pour rien. C'était l'économie financière ou c'était quoi la préoccupation? Environnementale aussi, parce que ça ne sert à rien de mettre des produits n'importe où. Et financière aussi. Et le confort d'utilisation. D'accord. Ça représente combien pour vous les produits phyto à l'année? 380 euros hectare à D'accord. peu près. Et vous avez combien d'hectares ici? 67. Ah oui. Donc ça fait un gros budget. Et financièrement, ça, on espère économiser un petit peu. Quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, les nouvelles technologies, c'est quelque chose que vous regardez souvent, vous avez un œil dessus, vous vous dites, quand il y a quelque chose qui me correspond, je teste. Est-ce qu'il faut être un peu courageux pour tester des nouvelles choses comme ça? Ça, je pense qu'il faut être un petit peu, oui, il faut essayer. Il faut, après, je pense que ça va se démocratiser, ça devrait de plus en plus être sur le marché. Oui, je pense que de plus en plus de gens vont l'adopter. Et j'espère. Vous regardez aussi d'autres innovations. Par exemple, on parle du salon Vinitech qui a primé cette innovation-là. Oui. C'est quelque chose qui vous intéresse? Vous suivez Vinitech, un peu? Vinitech, oui, on y va tous les ans. Bon, cette année, on ne pourra pas. On le suivra en virtuel, mais en principe, on y va tous les ans, on y voir une nouvelle technologie. Parce que notre métier aussi avance de ce côté-là. Quoi. Est-ce que vous pensez que votre vin change grâce aux nouvelles technologies? Je ne sais pas, mais je ne sais, pas s'il avance. Mais bon, je ne sais pas s'il change, mais ça avance en tout cas. Voilà. Ça avance comme vous voulez. Oui, c'est ça. Bon, et alors là, du coup, on est sur une parcelle de quoi? Malbec. 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 Qui représente la majorité de votre... Non, juste 10% de notre superficie, à peu près. Juste 10%? Oui, 10%. Et Et là, on attend le retour des feuilles pour pouvoir tester. C'est ça, aujourd'hui, c'est pas bonne saison pour essayer, mais bon, voilà. Bon, mais écoutez, merci de votre accueil. Je vous en prie. C'est la fin de ce premier volet de notre émission spéciale consacrée à Vinitech virtuel. N'oubliez pas que vous pouvez vous connecter sur la plateforme pour choisir votre propre parcours de visite et voir les innovations qui vous intéressent le plus. Retrouvez-nous dans un instant dans le deuxième volet de cette émission. On rentrera à l'intérieur des chais pour des innovations encore plus près du vin.